à la proposition du conseil de l'université au Maine, du docteur Joao Vixama, pour occuper le poste de recteur de l'UPMCH. Après analyse de ses dossiers déposés et en tenant compte de ses profils académiques et professionnels, ainsi que de ses expériences au sein de l'UPMCH, et vu la nécessité de garder la stabilité et le bon fonctionnement de l'université, il a été choisi pour occuper le poste de recteur de la dite université pour une période de 4 ans, conformément à l'article 75 du décret portant organisation, fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur en Haïti. Cette nomination n'est qu'une étape supplémentaire dans cette vie qui t'appartient, dans ce futur que tu vas construire. Au nom de notre amitié, je te souhaite persévérance, courage, tolérance, partage, solidarité, équité, conseil cher au ministre Maliga, équité, justice, pour que le PNCH devienne une référence, non seulement dans le Nord, mais aussi au niveau du réseau des universités publiques de la région, mais au niveau de l'enseignement supérieur. Durant notre mandat de 4 ans, nous nous engagerons à restructurer le service vie étudiante de l'université. Il sera une véritable entité de l'université qui portera désormais le nom que voici, vie étudiante et service à la communauté. À travers cette entité, l'espace universitaire sera vivant, attrayant et attractif. Cette entité aura pour objectif d'accueillir chaque année tous les étudiants qui arrivent à cette université et de les orienter. Cette entité va promouvoir et développer la vie étudiante au sein de la dite université par l'identification et le regroupement des associations et des clubs des étudiants par l'organisation des activités sociales et culturelles, des sports et des activités physiques, ainsi que des conférences et des activités d'intérêt public. Pour ce faire, notre campus universitaire doit nécessairement avoir une bonne capacité d'accueil avec des campus agréables. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, nous travaillerons à l'aménagement du campus, à la construction d'autres bâtiments, voire à l'acquisition d'autres espaces qui serviront d'annexe à notre communauté universitaire. Pour les 4 années à venir, nous appliquerons une gouvernance collégiale à l'UPNCH. Nous exclurons toute idée unique. Le recteur ne sera pas un super chef qui s'occupera de tout, mais un administrateur conciliant qui s'occupera de la politique générale de l'université. Les grandes décisions qui engageront notre université seront toujours adoptées en conseil de l'université composé des doyens, des directeurs, des représentants du corps professoral et des représentants de la communauté étudiante. Quant aux doyens des facultés et directeurs des écoles, ils s'occuperont totalement de toutes les activités académiques et scientifiques de leurs entités. Cela étant dit, sous ma gouvernance, toutes les entités de l'UPNCH seront autonomes, à savoir les facultés et les écoles. Chaque doyen ou chaque directeur aura la responsabilité totale d'administrer académiquement l'entité qu'il dirige. Désormais, le doyen ou le directeur doit disposer de son propre cachet pour sceller les documents officiels de l'entité qu'il dirige, adopter les cursus universitaires y relatifs, planifier l'enseignement approprié,
recruter librement les enseignants qu'il juge nécessaires en fonction du budget salaire de son entité et s'occuper de toutes les activités administratives et académiques qui nécessitent son intervention, et ce, sans avoir besoin de l'autorisation et de la consultation du recteur. Le rectorat en profite pour demander illico au doyen et directeur des facultés et des écoles de bien vouloir commanditer l'évaluation externe des cursus des différentes facultés, écoles et programmes de l'université. Cependant, même si nous prenons une gouvernance souple et collégiale, nous n'allons tolérer aucun désordre.